Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Paris pour découvrir le nouveau concept Monop, la version de proximité de Monoprix. Deux premiers magasins ont ouvert, ici rue Saint-Dominique, tout près des Invalides, et avenue Bugeaud dans le très chic 16e arrondissement. Car évidemment, le nouveau Monop monte en gamme, comme tous les nouveaux concepts ou presque de toutes les enseignes. Regardez. Monop est la version petit format de Monoprix, généralement de 200 à 400 mètres carrés. Après avoir compté 173 magasins, l'enseigne n'exploite plus qu'une centaine d'unités. De nombreux points de vente ont en effet été cédés ces dernières années au nom de la concurrence suite à la prise de contrôle totale de Monoprix par Casino. Pour reprendre l'initiative, Monop compte donc sur sa nouvelle copie, co-développée avec son principal franchisé, le groupe Zoari. Premier changement, l'ambiance globale du magasin. Terminer les atmosphères obscurcies par une utilisation massive du noir. Les modes ont changé, le plafond est donc clair et même dans le choix des matériaux, le métal recule au profit du bois et de la faïence qui arrive en force. Ce qui contribue encore à éloigner Monop des codes habituels de la distribution. Autre signe de l'époque, le vrac qui occupe un emplacement central et surtout la digitalisation du parcours client autour d'une idée simple. Aider le consommateur à comprendre l'offre. C'est le cas avec ces tablettes qui permettent de connaître le Nutri-Score des 6500 références de l'assortiment. Utile pour la majorité des produits qui ne portent pas encore l'indicateur sur le pack. Autre expérience digitale, au rayon vin. Le client qui souhaite davantage d'informations sur un vin place la bouteille devant la tablette, la photographie et en quelques instants dispose d'une fiche détaillée sur le produit. Ne manque qu'une imprimante pour repartir avec le vin et les informations. Le rayon vin est aussi le cadre d'un nouveau type de relation avec les fournisseurs. Ici, le Petit Ballon, une start-up qui vend du vin sur Internet, gère les 30 références présentées en mural. Le Petit Ballon a la charge de l'offre et des stocks. Même démarche pour une partie de l'offre de petite restauration. Ces plats cuisinés sont gérés par un fournisseur spécialisé, Rachel, qui approvisionne quotidiennement le magasin. C'est le cas aussi de Season, qui livre et entretient cet espace avec des recettes de plats cuisinés qui tournent toutes les semaines. Dans les deux cas, c'est une forme de dépôt-vente. Pour Monop, c'est l'occasion de muscler et d'animer son offre de produits prêts à consommer au-delà de la classique rôtissoire ou du bar à salade évidemment présent. Dans le second des deux nouveaux magasins, avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement, Monop se veut même bistrot de quartier avec ce bar qui est placé face à l'entrée. Comme pour éloigner encore davantage Monop de l'ambiance classique d'un supermarché.